Roveo incite ses PME à se regrouper en clubs de business collaboratifs pour vendre ensemble des solutions globales. Le groupement ADAS travaille sur les systèmes d'aide à la conduite et sur le véhicule autonome, perception, intelligence, commande et action, allant jusqu'à la livraison d'un démocar complet. Pouvez-vous nous dire comment s'est constitué le groupement ADAS ? Oui, des groupes de travail thématiques ont été constitués par Moveo et sont devenus les groupements. Le groupement ADAS a émergé comme cela et regroupe déjà les PME Car&D, Intempora, FH Electronics, chez qui nous sommes aujourd'hui, Global Sensing Technologies, Nexiad, Nomadic Solutions, Sherpa Engineering. En tout, près de 150 ingénieurs de très haut niveau focalisés sur le domaine ADAS, une quinzaine de briques technologiques sur étagère, des fonds propres et un chiffre d'affaires cumulé significatif. Alors, quelles technologies proposez-vous et quelles sont les complémentarités de vos sociétés ? Eh bien, nous proposons par exemple des systèmes d'enregistrement multicapteurs, multicaméras, synchronisés, rejouables, des modules de détection de la route, de détection d'obstacles, des modules de mesure temps réel de la conduite éco et de la conduite sûre, de la mesure de visibilité, de la reconnaissance d'objets et de la reconnaissance de situations de vie, mais également des modules de fusion de données, d'intelligence artificielle, des outils pour automatiser les tests de validation des ADAS, des lois de commande, de la mécatronique et des actionneurs, jusqu'à l'automatisation complexe du freinage, de la boîte, de la direction, et bien sûr des compétences également en intégration dans un véhicule et en mise au point. Le virage va être détecté par l'ensemble des systèmes de mesure et l'algorithme et système de contrôle gèrent totalement la direction. Comment pensez-vous contribuer à l'amélioration de la mobilité ? Nous apportons des briques déjà développées, ce qui permet de diminuer les coûts et les délais pour aller vers le véhicule autonome. Et nous allons intégrer, en plus de nos compétences techniques, d'autres PME qui interviendront sur le facteur humain pour améliorer les interfaces homme-machine et la sécurité routière. Très bien, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à bientôt. Au revoir.